Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur quoi Nias Reparle. Attention à cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous êtes nouveau, veuillez cliquer là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Hier, nous avons passé la journée, toute la journée, à faire un live ou encore des lives avec tous les abonnés. Mais ce que nous avons découvert lors des lives est alarmant. C'est quoi? Un témoignage puissant. T'as un témoignage puissant qui s'est déroulé hier, qu'on a découvert hier. Un homme, soi-disant pasteur, a tout simplement expliqué son expérience, ce qu'il a vécu, ce qu'il a découvert, dans son domaine. Qu'est-ce qu'il a découvert au juste? En fait, il a découvert qu'aujourd'hui, le nombre de pasteurs ayant des pouvoirs occultes est alarmant. Et il a découvert qu'également que beaucoup de jeunes pasteurs ont des démons, des femmes démons avec eux. Et que c'est de ces femmes démons-là que les viennent, leur pouvoir mystique, le pouvoir qu'ils ont de faire des miracles, de faire tout ce que vous savez. Ah! Comment a-t-il su ça? Il dit que lui-même, il avait besoin de faire aussi des miracles. Parce qu'il y a 9 ans, il avait mis en place une église, un temple. Mais ça n'avançait pas. Le record en termes de fidèles qu'il a eu, c'est seulement 200. Sinon, ça descend souvent. Ça varie entre 50 et 200. Aujourd'hui, ça fait 9 ans. Il a son ministère et il aimerait un changement. Il aimerait voir quelque chose de nouveau. Parce que lui-même, il a constaté qu'il y a un de ses collègues aussi qui est arrivé quelque temps après lui, qui connaît un succès extraordinaire. Ce dernier a même plus de 10 000 fidèles dans son église. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ce dernier-là, il commence à être un peu jaloux, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il n'a pas assez de fidèles et que l'autre a beaucoup de fidèles. Donc, et il a beaucoup d'argent aussi, beaucoup de belles voitures. Donc il s'est dit qu'il a besoin de son aide. C'est pourquoi il va se rendre chez lui. Du coup, ce dernier-là va devenir son père spirituel. Et quand il va aller rendre visite à ce dernier, cet homme-là va lui dire qu'il va falloir qu'il soit fort. Il va falloir qu'il soit dur. Il va falloir qu'ils soient franchement très forts parce que ce qu'ils vont découvrir, ça ne sera pas une petite affaire, ça ne sera pas une mince affaire. Et lui, il a répondu 3 fois à cette question en disant oui, il n'y a pas de souci, je vais y arriver. De quoi avons-nous besoin pour cette histoire? C'est là, cet homme-là va le dire, cet homme de Dieu ou encore son père spirituel va lui dire, que il a besoin de lui apporter une certaine somme d'argent et aussi il va devoir participer au rituel. Où va se dérouler le rituel selon vous? Où est-ce que ce rituel va se dérouler selon vous? Ah! Ce rituel va avoir lieu sur la plage. Quoi? Oui, il dit sur la plage. Il dit qu'il est arrivé avec son père spirituel, ce dévancier spirituel là, sur la plage. Et quand les deux sont arrivés là-bas, ce qui s'est passé est que, il a fait une invocation. Du coup, une femme, une sirène, il a bien dit une sirène, est sortie de l'eau. Et lui, quand il voyait ces sirènes là dans l'eau, il la voyait. La partie inférieure, c'était la queue d'un poisson. Mais quand elle sort de l'eau, elle devient humaine. Une belle femme, une très belle femme d'ailleurs, avec tout simplement des belles jambes, comme une femme ordinaire quand elle vient sur la plage. En fait, elle est descendue sur la plage à la rencontre de ces personnes-là. Et ce jour-là, lui, il a eu des rapports sexuels avec elle.
il l'a embrassée. Et après avoir eu des rapports sexuels avec elle, elle lui a demandé d'approcher son front. Quand elle a approché son front, elle a mis son doigt dans son vagin, excusez-nous. Mais c'est ce qui s'est passé, vous pouvez découvrir ce témoin en live. Elle a mis son doigt dans sa partie intime. Et elle a pris, c'est pas un truc un peu liquide là-bas, qu'elle a positionné sur lui, quoi. Elle a fait un signe sur son front. Du coup, cet homme n'est plus devenu la même personne. Et ce qui est étrange, c'est que il pouvait également voir d'autres hommes de Dieu comme lui, d'autres pasteurs, des jeunes pasteurs comme lui. Bizarrement, les pasteurs qui arrivaient là-bas, eux, ils avaient chacun une femme sirène. Chacun d'eux avait une femme sirène. Et lui, il s'étonnait du nombre de pasteurs qu'il pouvait voir là-bas. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il pourrait trouver autant de pasteurs là-bas. Il ne pouvait pas s'imaginer ça. Mais c'est ce qu'il a vu et c'est ce qu'il nous a raconté. Quelques temps plus tard, il est retourné à l'église où ils étaient avec son homme de Dieu, souvent encore son père spirituel. Et ce dernier-là lui a demandé de le suivre encore et ils se rendront chez une autre personne. C'était encore une autre femme. Il dit que dès qu'il a ouvert la porte de la maison, tout de suite il s'est retrouvé sur le lit, sur un lit. Il ne sait pas comment ça s'est passé, mais il s'est retrouvé sur un lit avec une femme. Ce jour-là, il a eu des rapports sexuels encore avec cette autre femme-là qui lui a donné plein d'huiles d'olive, c'est-à-dire des huiles. Vous connaissez ce qu'on appelle les huiles d'onction à l'église, là. Quand vous arrivez à l'église, on vous vend des huiles d'onction, telle huile d'onction, c'est pour ça, telle huile d'onction, c'est pour comme ceci. Et lui, il a reçu beaucoup d'huiles d'onction comme ça. Il se demandait à quoi ça servait. Mais ce qu'il a découvert, c'est que de chaque huile d'onction qu'on lui a prescrit avait tout simplement un nom. Oui, c'était attrapé, attiré la foule. Suis-moi sans poser de questions. C'était le nom qu'on attribuait à celui de ces huiles d'olive. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes, les lives précédents pour savoir plus. Et ce qui est vraiment étrange par-dessus tout, c'est que il pouvait maintenant gagner beaucoup d'argent, même faire des miracles, faire toutes sortes de miracles. Et ça attirait la foule chez lui. Il a commencé à avoir du succès. Mais le jour, le même jour là, quand il est allé se dormir, il a revu la même sirène qu'il a vue en premier lieu sur la plage là. Il l'a revue tout simplement dans sa chambre, dans son songe. Est-ce que vous voyez, il a dit dans son rêve, il dit que je l'ai vu dans mon rêve. Et quand je l'ai vu dans mon rêve, elle lui a dit que pour renouveler sa force ou encore sa puissance, il devait coucher avec, avoir des rapports sexuels avec des filles vierges chaque mois. Chaque mois, cet homme devait avoir des rapports sexuels avec des filles vierges. Ce qui est alarmant, c'est que cet homme-là, c'est un soi-disant homme de Dieu, un soi-disant pasteur. Il fait même des miracles. Il prophétise. Il peut même voir des choses sur votre vie. Ah! Qu'est-ce que les hommes n'aiment pas entendre? Dès qu'il y a un homme de Dieu qui fait des miracles ici, tout le monde veut avoir des guérisons, tout le monde veut avoir des solutions à ses problèmes. Donc, on va vers une telle personne. Hein? Cette personne n'est pas ce qu'elle prétend être en fait. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Des hommes de Dieu possédés, des hommes de Dieu agents de Satan. Du coup, cet homme-là s'est réveillé et il allait expliquer ça à son père spirituel, le rêve qu'il venait d'avoir. Et il a dit à son père spirituel que franchement, il ne comprend pas ce qui se passe, mais voici, il a revu en songe la même sirène. Et elle lui a demandé ça. Son père spirituel lui a dit, il n'y a pas de souci, on peut te trouver des filles vierges, ne t'inquiète pas pour ça. Mais ce qu'on va te demander, c'est de l'argent. Pour envoyer beaucoup d'argent, on va faire le travail. Plus tard, son père spirituel lui a dit, ajoutant à cela, je dois te dire quelque chose.
tu ne dois plus prêcher sur la repentance. Est-ce que tu vois? Prêcher pour que les gens se répandent, donnent leur vie à Dieu sincèrement et fuient le péché. Tu ne dois plus parler de ça. Tu dois maintenant parler de l'évangile de la prospérité. Comment les femmes, comment les gens vont devenir riches, comment ils vont être heureux, bien vivre sur la terre. Et non préparer leur vie après la mort, c'est-à-dire au ciel. Tu as compris? Il dit, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qu'il faisait. Il l'a fait pendant 6 ans. Ce qui l'a étonné, c'est que le jour où il devait avoir son premier rapport avec les filles vierges, il a remarqué quelque chose d'assez inquiétant. Il a dit que son homme de Dieu ou encore son père spirituel a réussi à lui trouver des filles vierges, 2 filles vierges. Son homme de Dieu là avait une parmi elles et lui ici il en avait une. Mais ce qui est étrange, c'est que cette fille qui était vierge là ne posait pas de questions. Elle ne se lamentait pas. Elle était tout de suite, elle était calme. Elle ne parlait pas. Comme si elles étaient envoûtées. Oui. Comme si elles étaient envoûtées. Et lui, il s'étonnait. C'est ce jour-là, il a eu des rapports sexuels avec ses premières filles vierges. Imaginez. Vous, votre enfant, elle dit elle va à l'école ou elle va s'amuser. Et du coup, une voiture comme ça va venir la prendre parce qu'elle est vierge pour aller faire les choses avec elle. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? C'est en effet ce qui s'est passé avec cet homme-là. Et plus tard, il a commencé à avoir le mépris de la chose et il cherchait à se retirer. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il ne pourrait pas le faire parce que quand il allait voir son père spirituel lui a dit qu'il ne pouvait pas abandonner ce qu'il est en train de faire parce que les deux sont liés à un démon et que si lui, il abandonnait seulement cette histoire, il va le tuer. Son père spirituel lui dit que s'il abandonne Satan, il va le tuer. Waouh! Donc ce dernier-là, il était livré à lui-même. Un jour, il a vu 2 gardes-corps. 2 gardes-corps. Et ces gardes-corps-là, ce sont des gardes-corps à son père spirituel. Et ces deux-là sont venus voir cet homme et lui ont dit que si tu peux fuir ce lieu-là le plus rapidement possible, ce serait bien. Parce que là où nous sommes là, nous avons été envoyés par ton père spirituel pour te kidnapper. En tout cas, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Donc, là où tu peux aller, là, où tu peux fuir, là, fais-le. Parce que si tu restes là, il va venir te chercher. Et ça risque de mal finir pour toi. Ah! Face à une telle situation, cet homme a donc décidé de fuir. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois, quand il cherchait la face de Dieu, il sentait que Dieu s'était éloigné, était très loin de lui. Donc, il prie, mais il ne ressent rien. En plus de cela, quand il se met à appeler Dieu, il remarque quelque chose d'assez étrange chez lui. C'est que quand il se met à prier dans sa tête, des choses commencent à bouger, et ainsi que dans son ventre. Ah! Il ne comprend pas, ça l'empêche de prier. Et il a besoin de solutions. Il dit que plusieurs fois, il a failli avoir des accidents de voiture. S'il a encore en vie, c'est la grâce de Dieu. Sinon, il serait déjà mort. Et ça, c'est vraiment assez compliqué pour lui. Et il a besoin d'aide. What? Il dit qu'il a besoin d'aide. Il a besoin de quitter cela. Et il a surtout besoin que Dieu lui pardonne. Parce qu'il a fait plusieurs songes où il se voyait maintenant tout simplement à l'enfer en train de brûler. Il dit qu'il a fait ce songe à 7 fois. Il s'endort, il fait ce rêve, il se recouche, il se lève, même rêve, il s'endort encore, il se lève, même ça continue, il continue de brûler à l'enfer. À un moment donné, il a vu que franchement, il s'est laissé séduire par les richesses de ce monde, les belles voitures, le succès qu'avait son père spirituel. Et voici qu'il se retrouve aujourd'hui dans les problèmes. Comment il va faire? Comment il va faire?
C'est pourquoi il a besoin maintenant de l'aide. Il a besoin qu'on l'aide. Il a besoin de l'aide de son homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu qui va prier pour lui. Oui, il dit qu'il a besoin d'un homme de Dieu véritable. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il ne sait pas comment en trouver. Parce qu'il a vu de ses yeux qu'il y a des milliers d'hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, qui se retrouvent où? Chez les sirènes là-bas, en train d'avoir des pouvoirs mystiques. Donc lui, il se demande ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire. Parce que là, ça devient vraiment grave. Et lui, il ne sait vraiment pas à qui se confier. C'est pourquoi il a envoyé cette lettre-là à un autre homme de Dieu qui dénonce les faux hommes de Dieu. Voici comment nous sommes tombés sur ce message-là qui nous a permis de faire le live hier, qui se trouve en ce moment sur Niasribon. Cela a été fait en deux temps, c'est-à-dire en deux dimensions, en deux parties. Vous pouvez le retrouver. Même à la fin de cette vidéo, nous mettrons ces deux vidéos-là. Vous pouvez regarder la première et la deuxième partie. Que pensez-vous de cela maintenant? Je pense que il y a vraiment des choses graves qui se passent dans ce monde. Et nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Nous avons besoin de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous avons véritablement besoin de l'appui divin de Dieu dans notre vie. Et quand on regarde le nombre d'hommes de Dieu qui vont chez le diable pour avoir des pouvoirs, c'est vraiment grave. Ça fait qu'aujourd'hui, on nous dit que 80% des hommes de Dieu sont devenus des fous. Des fous hommes de Dieu sont parmi nous. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils opèrent des miracles. Ils font des prodiges. Parfois, il y a certains qui sont devenus des arnaqueurs. Oui, des arnaqueurs. C'est ainsi, on entend beaucoup les gens parler des hommes de Dieu qu'on a surpris en train d'essayer d'escroquer quelqu'un. Oui, c'est ça la nouvelle société. Ça fait que les gens sont perdus. En fait, les humains ne doivent pas être perdus parce que le salut est tout de façon personnelle. C'est toi qui dois chercher Dieu. Maintenant, ceux qui doivent t'aider à trouver Dieu là, s'ils ne sont pas là, toi tu dois faire de l'auto-délivrance et tu dois demander à Dieu de t'aider dans ta délivrance. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui là, le diable est parmi nous et il est assis à l'église et que nous devons vraiment faire attention. C'est un témoignage qui est récent et les faux hommes de Dieu existent. Même, il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des homosexuels, des hommes de Dieu homosexuels. Des hommes de Dieu qui ne parlent plus de l'évangile, de la prospérité, des hommes de Dieu qui sont devenus les grands pécheurs, les masturbateurs, c'est-à-dire toutes sortes de dérivations sexuelles, ils sont aussi là-dedans. Ils ne peuvent pas défendre et ils ne peuvent pas prêcher sur la mauvaise foi ou encore le péché des humains aujourd'hui. Ils passent tout leur temps à raconter des histoires sur eux. Ils vont vous dire par exemple, regarde-moi, je suis beau. Et j'ai de belles voitures. Oh, avant, je n'avais rien. Ils vont se mettre à prêcher sur de telles choses. Si moi, aujourd'hui, ma vie a changé, c'est que ta vie peut changer. Ça, on sait. On sait que Dieu change la vie des gens. Mais ce qu'on ne sait pas là, c'est que la masturbation, là, ça tout de conduire les gens à l'enfer. Et personne ne parle. Les gens sont assis tranquillement chez eux et ils observent la situation et ils disent « Ah !» L'homme de Dieu n'a pas prêché sur ça. L'homme de Dieu n'a pas prêché sur la masturbation. Donc je peux me mettre bien dans ma douche ici. Je peux me mettre bien dans la maison ici. Oh, c'était péché qui était de conduire les chrétiens à l'enfer. Même dans le groupe de musiciens à l'église là, ce que vous appelez généralement la chorale, les filles et les hommes, ils font ce qu'on appelle la fornication, les rapports sexuels hors mariage, tout ce qui est vraiment bizarre. Et l'homme de Dieu, il ne peut pas parler parce que lui-même là, il a une copine parmi elles. À faire rire. Et quand on parle de homme de Dieu qui est envoûté ou encore qui a signé pas tabler le diable,
Ça veut dire que dès qu'il va vous déposer les mains là, il va prendre votre étoile ou bien votre grâce pour partir. Si vous n'avez pas une forte prière, vous n'allez pas retrouver votre grâce facilement. C'est ce que nous sommes en train de parler ici, c'est de ça que nous parlons. Pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est à la main le nombre d'hommes de Dieu aujourd'hui qui sont de faux prophètes, qui sont de faux hommes de Dieu. Nous avons besoin de nous réveiller, nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, il y aura encore des lives. Si Dieu permet que les équipements fonctionnent bien, il y aura également un nouveau témoignage. Nous allons découvrir ce témoignage. Maintenant que vous avez les témoignages que nous venons de recevoir, nous allons les amener d'abord, puis vous les proposer et réagir. Vous pouvez réagir dans le super chat. Et nous remercions également ceux qui font les dons en live. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, pour le soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous ferez attention désormais et que Dieu vous guidera dans tous vos choix. Observer une relation personnelle avec Dieu, c'est exactement ce que nous vous demandons de faire. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus confiance en l'homme parce qu'en l'homme se trouve le diable. Pour le soin de vous.